tu fais comme l'orangina. Ma vie c'est toi, oh mon femme. Oh. On dit seuls les hommes capables d'épouser les femmes. Oh, 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 je t'ai promis, j'ai réalisé. C'est pas la bouche aujourd'hui, tu es légalisé. Je t'ai promis, j'ai réalisé. C'est pas la bouche aujourd'hui, tu es légalisé. On fait comment? Un camp, y'a l'ougounia. Un camp, y'a l'ougounia. Un camp, y'a l'ougounia. Un camp. Y'a le bonheur, yeah. Un temps. 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 Y'a le bonheur, yeah. Dis à tous tes parents de ne même plus s'inquiéter. Tous tes problèmes, j'ai dit moi je vais m'en occuper. Ma vie c'est toi, mais qui va se négliger. L'argent est beaucoup et sur toi je vais tout verser. Oh, oh, je t'ai promis, j'ai réalisé. C'est pas la bouche aujourd'hui, tu es légalisé. Je t'ai promis, j'ai réalisé. C'est pas la bouche aujourd'hui, tu es légalisé. On fait comment? Un camp, y'a le bonheur, yeah. 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 Un camp, y'a le bonheur. Y'a le bonheur, y'a le bonheur. Un homme épouse la femme qu'il aime, oh. Un homme dépend sur la femme qu'il aime, oh. Un homme épouse la femme qu'il aime, oh. Les jaloux encouragez-les quand même, oh. Un homme épouse la femme qu'il aime, oh. Un homme dépend sur la femme qu'il aime, oh. Un homme épouse la femme qu'il aime, oh. Les jaloux encouragez-les quand même. On fait comment? Un camp, y'a le bonheur, yeah. 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 Un camp, y'a le bonheur. On fait comment? Dédicace à Regina et Serge Thora, le couple. Yeah. Dédicace à Regina et Serge Thora, le couple. Alors, bonjour monsieur. Monsieur, bonjour. Pouvez-vous vous présenter à nous, s'il vous plaît? Je suis monsieur Guy Franklin. Oui. Wang est là. Hein? Je suis agent de CETRAC. Oui. D'accord. Et aujourd'hui, nous sommes le 23 décembre 2022. Mm-hmm. Je m'apprête à fêter l'un des jours les plus heureux d'un homme sur Terre. Vraiment? Le jour de son mariage. Ah oui. Et voilà. Ah. Et donc, si mon visage est radieux, oui, c'est qu'il reflète vraiment son bonheur. Ah. Merci. Alors, un 23 décembre, pas comme les autres, hein? Absolument. Ah oui? Un 23 décembre 2022, 22. Parce qu'il n'y a pas deux années 2022. Mm-hmm. Donc, un 23 décembre unique. 2022, pas comme les autres. Pourquoi avoir choisi cette journée du 23 décembre? Et en plus, c'est un vendredi, généralement, c'est souvent les samedis qu'on est un peu dans ce genre de rendez-vous, sinon des journées de mariage. Bien. Ouais. La journée du 23 décembre de cette année, particulièrement, ouais, elle tombe... heureusement ou malheureusement, un vendredi. Oui. On va dire heureusement, c'est un jour de bonheur. Oui. Simplement parce que c'est une journée ou un week-end qui coïncide avec la fête de Noël. Ah, super, ouais. D'accord. Mm-hmm. Et j'ai voulu particulièrement, en choisissant cette date, retenez-le bien, ouais, j'ai voulu particulièrement honorer ma belle-mère, ah, ça, qui est née un 24 décembre. Waouh, super. Et ouais, donc, le lendemain de notre anniversaire, de notre mariage, mm-hmm, et donc le jour de son anniversaire, oui, je pense que la rendre, il n'y a pas meilleur bonheur que de voir sa fille aller en mariage, oui, le jour de son anniversaire. Ah, ouais, voilà. Vraiment super.
À minuit, ça sera déjà l'anniversaire. À et minuit. On sera sûrement dans la fête. Dans la fête. Uh-huh. Voilà. C'est une bonne nouvelle. Vraiment. C'est un double événement donc. Uh-huh. Le mariage pour sa fille, oui. Et son anniversaire. Ah, waouh. Alors, si elle était là à vos côtés et si on était à minuit, qu'est-ce que vous devriez dire à l'occasion de son anniversaire? Je devrais lui dire joyeux anniversaire, maman. Oui. Et merci d'avoir fait cette jolie créature, d'avoir mis au monde cette jolie créature que j'ai croisée un jour de ma vie, qui devient aujourd'hui mon épouse. Ah oui. Super. Alors parlons de la créature. Elle s'appelle déjà qui? Barbara Flore. Barbara Flore. Vraiment, nous tous, on a vu une belle créature. Si on peut faire un peu l'histoire, revenir un peu en arrière. C'était où, c'était quand, ça a commencé, en quelle année? Ouh là là, ça a commencé il y a 7 ans. Il y a 7 ans. 7 ans, 7 à 8 ans bientôt, parce qu'au mois de janvier 2023, ouais. Ça fera exactement 8 ans. Oui. Là a commencé l'histoire. Uh-huh. Entre ah oui, c'était où? C'était à Lastourville. Lastourville. Dans la province de Logololo. Logololo. Une des provinces du Gabon. Oui. Et puis voilà, j'ai passé par là, j'étais en affectation et elle était à son service. Et comme ça, de passage, une fois, deux fois, j'ai apprécié la demoiselle. Uh-huh. Et puis quelque chose a germé en moi, une étincelle, un truc, je ne peux pas l'expliquer. Ah. Mais c'est né ce jour-là. Oui. Et depuis le 15 janvier 2015, oui. Nous sommes faits l'un pour l'autre. Ah, ça. Voilà, et nous ne faisons que concrétiser cela aujourd'hui. Waouh, super. Est-ce que vraiment à la première vue, c'est en 2015, au mois de janvier là, à la première vue, c'était vraiment celle qui aujourd'hui pouvait faire ce bonheur de la présenter devant Dieu, devant les hommes? De l'honorer quand vous avez fait ce qu'à la première vue, le premier jour d'été, vraiment celle-là où... Je vais vous dire très sincèrement que c'était un peu ça, oui. Lorsque cela a commencé. Uh-huh. Il y a une jolie créature, comme il y en a de partout dans le monde, oui. Qui peut vous plaire. Uh-huh. Mais rien, absolument rien ne présageait que cette jolie créature, cette jolie demoiselle, allait devenir un jour l'élu de mon cœur. Ah oui. Voilà. Uh-huh. Et que cette histoire se concrétise aujourd'hui, oui. Ce n'est que du bonheur. Ah oui, voilà. L'histoire s'est concrétisée. Il y a eu sûrement des bonnes choses qu'elle a eues. Elle a eu à toucher votre cœur. Qu'est-ce qu'elle a eu à faire pour vous aussi, d'être convaincu que c'est celle qu'il faut pour moi et c'est celle que je dois prendre comme la femme de ma vie? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'elle a fait? Vous savez, lorsqu'on rencontre la femme de sa vie, oui. Il y a quelque chose d'indescriptible que vous ne pouvez pas dire, vraiment d'indescriptible. Oui. Vous ne pouvez pas l'expliquer, ça arrive. Mais ce n'est pas tout de suite qu'on le voit. Oui. C'est avec le temps. Avec le temps. C'est arrivé et après on a commencé à faire notre chemin ensemble. Oui. Et j'ai remarqué en elle les qualités. Évidemment, le monde étant bipolaire. Oui. Et donc, il y a des qualités, chacun de nous a des qualités et des défauts. Bien sûr. J'ai apprécié plutôt ses défauts. Ah, ça c'est quand même rare, hein? Apprécier les défauts. Apprécier ses défauts, ouais. Parce qu'en réalité, c'est là où beaucoup d'entre nous, en tant qu'humains, trébuchons. Oui, oui, c'est vrai. Lorsque vous appréciez les qualités et vous faites fi des défauts, et bien vous tombez facilement dans le piège. Oui. Alors, l'idéal serait d'apprécier les défauts, oui. Car les qualités restent les qualités, on les apprécie toujours, oui. Mais c'est plutôt les défauts qu'il faut supporter. Ah, est-ce ça. Que je suis capable de vivre avec cette femme, uh-huh. avec ses défauts? Ouais. Oui, j'ai apprécié ses défauts, je l'ai aimé pour ses défauts. Ses défauts, pas pour ses qualités. Wow. C'est rare. Alors, elle a apporté beaucoup dans ma vie. Oui. Je ne peux pas énumérer tout ce qu'elle a apporté dans ma vie, mm-hmm. mais elle a apporté une lueur d'espoir, de bonheur et... Au sens familial, elle m'a montré que c'était une femme de grand cœur, ouais. Une femme qui cherchait toujours à rassembler la famille, mm-hmm. et dans les bons et dans les mauvais moments, et elle m'en a fait la preuve à plusieurs reprises. Ouais. Donc, j'ai décidé d'en faire mon épouse pour cette bonne raison. Waouh, voilà. Super. Est-ce que quand même il y a un exemple d'une qualité, bon, des défauts, hein, parce que c'est rare que les hommes apprécient les défauts des femmes. Vous avez apprécié les défauts. Oui.
un exemple d'un défaut que vous avez apprécié pour dire que ça c'est un défaut, mais je l'ai apprécié. Oh, le défaut que j'ai apprécié en elle, c'est que c'est du genre action-réaction. Quand ça va pas, elle te le dit tout de suite. Waouh! Ouais, c'est comme ça. Oui. Et ça, c'est bien. Uh-huh. Parce que loin de vous faire du mal, uh-huh. loin de vouloir vous offenser, oui. ça vous permet de vous remettre en question et de vous dire bon, ben tiens, je crois qu'elle a raison. Ah oui. Elle a raison. Oui. Là, c'est pas bon, il faut que je me corrige. Uh-huh. Voilà. Ah, super. Ça, vraiment, c'est vraiment digne d'un homme qui a la sagesse. Voilà. Vraiment, félicitations. Merci mais encore. Une bonne qualité quand même aussi qu'elle a. Citez au moins un exemple quand même qui vous a accroché en dehors des défauts. La bonne qualité aussi. Une qualité, c'est une femme de famille. Oui. Oui, elle a énormément le sens de la famille. Mm-hmm. Et de ma vie, j'en ai rencontré rarement. Ouais. Elle porte en elle le poids d'une famille. Quand elle décide de porter en elle le poids d'une famille, elle le porte véritablement jusqu'au bout. Uh-huh. Et ça, c'est l'une des qualités qu'une femme dans un foyer devrait avoir. Ouais. Voilà. Moi, je suis l'aîné d'une famille. Et vous comprenez que j'avais bien besoin d'avoir une femme de ce genre pour m'épauler dans ma tâche, parce que j'ai une lourde tâche. Ouais. C'est d'être l'aîné d'une famille, donc de conduire toute une famille. Uh-huh. Et puis, si vous n'êtes pas soutenu, bel et bien soutenu à côté, oui. Vous ne pouvez pas conduire à bien cette mission. Ah oui. C'est une lourde mission. C'est vrai. Voilà. Uh-huh. Alors, elle est là à vos côtés pour ce grand jour, pas comme les autres. Toujours à vos côtés, elle restera là. Si, présentement, qu'est-ce que vous devez lui dire à l'oreille pour cette, comment dirais-je, de vous avoir, déjà d'avoir cru en vous et d'accepter qu'elle soit désormais celle que tout le monde va aujourd'hui honorer devant Dieu, devant les hommes. Qu'est-ce que vous voulez dire à Laurent s'il était là à vos côtés? Si elle était là, ouais. Je lui dirais simplement que elle est la plus belle chose qui soit arrivée à ma vie. Oui. Et que après ma mère, elle est la femme qui va remplacer ma mère dans ma vie. Ah ça. Ma mère est encore vivante. Oui. Si par malheur elle s'en allait avant, elle remplacerait valablement ma mère. Ah. Voilà. Wow. Je crois en elle pour ça. Ouais. Parce qu'une mère est irremplaçable avec ses qualités et ses défauts. Vous ne pouvez pas la juger, vous ne pouvez pas juger une mère. Oui. Parce que si vous êtes quelqu'un aujourd'hui, elle a beaucoup fait pour vous. Lorsqu'une mère vous porte 9 mois dans son ventre, oui. et qu'elle accepte de vous mettre au monde, et qu'elle accepte que vous grandissiez à ses côtés, il n'y a rien de plus précieux. Oui. Et donc, lorsque vous croisez une femme dans votre vie qui peut représenter valablement votre mère, c'est l'os de mes os et la chair de ma chair. Waouh, super, vraiment. Ça, c'est une bonne chose, vraiment. Waouh, vraiment. Félicitations. Et alors, pour cette journée, les parents seront là, les amis, les collègues et autres. S'il y a un mot à leur dire, c'est que vous ont soutenu, vous accompagnez. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Je n'aurai pas de mots assez forts. Oui. Sincèrement, pour remercier toute ma famille aujourd'hui. Mm-hmm. Toute ma famille, je dis bien. Ouais. Parce que je n'ai jamais été au centre d'un tel intérêt. Ouais. L'intérêt que porte toute ma famille aujourd'hui. Vous savez que la famille est composée de deux parties. Il y a le côté maternel, le côté paternel. Alors oui. Tout le monde a formé un seul bloc aujourd'hui. Oui. De son côté, autant que du mien, pour nous accompagner. Mmh. Et donc, je n'ai pas de mots assez forts pour leur dire merci. Et si je pouvais inventer un autre mot en dehors de ceux qui existent dans le dictionnaire, je ne sais pas s'il y a un autre mot qui remplacerait le mot merci à toute ça. Ma famille. Oui. Merci encore. Uh-huh. Et merci pour toujours. Oui. Alors, nombreux vont pouvoir, comme on l'a dit, lors de la cérémonie, qui souhaiteront aussi vivre ce beau jour. Hein? Bien sûr. Vous vous êtes préparés, ça se sent. Vous pouvez nous dire en quelques mots comment faire pour vivre aussi ce beau jour comme vous êtes en train de le vivre aujourd'hui. Ouh là là, rien ne se construit sans l'amour. Oui. Absolument. Toute œuvre entre des individus ne peut aboutir s'il n'y a pas un minimum d'amour. Oui. Alors, j'ai beaucoup d'amour pour elle. Alors, je voudrais exhorter tous ceux qui sont autour de moi. Oui. Et leur dire que pour que ce moment soit
le plus heureux de votre vie. Il faut que vous soyez entouré d'affection. Oui. Il faut que vous soyez entouré d'amour. Et que tous ceux qui n'ont pas encore franchi cette étape, qu'ils soient d'abord convaincus de l'être qui est à côté d'eux pour se lancer et qu'ils n'aient pas peur de se lancer. Ouais. Parce que en dehors de la naissance et du décès, le mariage est le seul jour où vous vivez pleinement cet événement comme une renaissance. Ah, ça. La naissance, on ne la contrôle pas. Oui. La mort, on ne la contrôle pas. Ah, c'est le seul événement d'un homme qu'on contrôle dans sa vie. Vraiment. Ok, alors en conclusion, s'il fallait rebaptiser votre charmante épouse pour ce beau jour, pas comme les autres, un nom, quel est le nom que vous pouvez lui donner s'il s'agit de la rebaptiser? Je n'irai pas chercher très loin. Ouais. Parce que son seul prénom reflète ce qu'elle est pour moi dans ma vie. Flore. Pour les botanistes, ça revêt le monde, ça représente le monde de la végétation. Oui. Et un peu plus loin, c'est ma fleur. Ah, oui. C'est la fleur de ma vie. C'est la plus belle fleur de mon jardin. On fait comment? Dédicace à Regina et Serge Thor. Le groupe de maman. Yeah.
Voilà où on le saurait. On va serrer. On va mettre un poil.
Oui, oui. Don't mama see it, don't you remember? Yeah, don't you get that?
Ami. Bonjour, Mita, il y a maman Ben. Que ça va bien pour vous. Amandi, moi aussi, je peux y avoir aussi. Amandi, n'a pas vu ça. Il y a une maman de Mita aussi. On a des. Oui, vous nous avez appelé tout à l'heure sur le photographe. Oui. Ah oui. Si on veut là-bas. Si on veut là-bas, c'est bon, je vais nous faire. Patron, va qui va là. Oh, tu es à femme aussi. Non, moi, c'est ma femme ici aussi, on t'a va. Amour, ils viennent me voir, ils étaient. Toi, il y a mon troisième âge. Ah, là, il faut que tu à qui va. Et de nana. Et mon tel mot souvent dit. Et mon tel mot souvent dit. Mon Samson, nous m'en voulons, oui. On est fa. Et fa, mais y'en fait. Il sait pas où y'en. Il est fa, mais y'en fait. Et ben, on est cuit. Non, c'est un temps. On a moins de temps, mais je vais me dire. 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 Je vais Anna, au Longo, Maraca, Fin. A que tu nous sentes? Vengou, y a man fin, y a fatal sentiment. Vous avez un da? Bat, enfin. Enfin, vous ne va. Enfin, vous ne va. Que maman te le va dire? Maman, on vous ne vous ne là. Je suis allé à la maison. 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 Je suis allé à Et là, il va me taper à Vati. Il n'a pas de bonheur. Il y a un fait. Il y a une femme, Ramava, avec qui voilà. A qui noter. Nous savons bien, vous voyez, bon, on a vu, t'es. Mais quelqu'un me voit. Il te l'a calé, il y a un bien. Mais tu le fais, Vana. Tel Favana. Et l'engba, il y a une langue. Et moi, je vois tout le monde, ça veut dire, allez, on a un bain là. Qui Franklin? Le matin. Et je vois tout le diable. Et Minga Bé, il y a Minga Bé. Et moi, là, tu n'y a pas de va. Ah, c'est le coco. Et c'est le coco, mais aïe. Et moi, bien, il veut bien. Et moi, la joie, tout me va. Bien, là-bas. Bien, là. Et là aussi. Et yo, bon, t'es passé. Il y a un samas, on va voir toi, là. Aïe, ma vie, à quoi, là. Et mes tamas, t'es le vadi. Bi, nevana. Et moi là, dit Franklin, il y en a un bon mot. Il y en a quatre. Accueil à Malou. Accueil à Malou. On a un yen. Il faut aller, il y en a un détenu. Il y en a un, il y en a une femme. Une femme qui est à Loua.
Bailez. Amengu. Ya. Tu vas tout attendre toi. Ma voix à Kiba. A Mouninia Bovani. Et nous tirons là, na, on va mourir. Ma soeur Nizo, moi, je n'en ai rien. Ata, ma paya, n'infa vania. Il courait. A car, colba, j'ai ton. Y'a. Bicuri. Et moi, ça a soit qu'une. Quand tu me fais, quand tu le coupes. À nos coutumes. À 100 ans, ouan. Au chien, à bon, les familles bec. Et benya, bira, et tant. Il y en a un son, on va me dire, on va dire que, à que, et de, on va me dire, et oui. Et vous me dites, Asia, vive à lui, il va l'air, ou soit lui, qu'il y a, ou Asia, bah, Zan. Abel, que, ça, je m'en veux, Je suis là. Il y a un peu de temps. Et on te. Ma tienne. Ne me lave pas, me carton me bien. Me carton me bien. Ben à vous. Et me carton me ni. Me carton me bien. Mon gamin vin. Maman, me ben. Carton, elle est. Et il m'y a un peu beau, va me carton me ben. Mi kuramiles mila mi fawo mi kuramen anan mi ben ba carton bidi bina bina mom ba carton bidi bina mom bidon ban anava. Le carton bon, un bon feu. Le bain. Carton sable. On t'a fait un gué. Le carton, c'est ça, vous avez été bon, va bas. Bon, la main. Qui est pour la vie, c'est la vie, vous la voir. Bon, pas la bière, ça. Bien, voilà, le bain. Mes fermiers, mes bains. Mes os, mes bains. Mais tombe, mine, oh là, et mais tombe, il s'amène.
Bon popo. Le bonne va ba. Ma bonne amie la ministre. Bon popo. Le bonne va ba. Ba bonne feu. Pour mon là. Pour voir ça man. Ça m'a bien mettre nous en deux minutes. Moi, tu nous as me bain. Tu nous as me bain. Ah. Ben tena. Me bain. Mi kurameles, mi kuramin ku. Mi bain. Avon, a bain. Mi pere, mi bain. Vous avez un bon bain. Milon, mini mi bain. Aguina, un fire. Et bien, mon zoomina, abu aussi. Il m'a va. Abu mana. Et la Bible dit. Dans votre ordonna, bon babana, y'a pas à ma femme, 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 Lova Yangwan, a Kamabara, a Bibi and Yabar. I call it you a woman, only someone. I'm a Lovate, and a daddy, a borrower Yanabat, and Mama. I call it now. Be the Cabell Oya, a clear abomamate. Woman, a Yimia, Nezama, a Yimia, the follow Simu, Mamata Massa, Mapa Biana, Yak there. As we go, was and now, and for a bubble will be a damn advantage. And so, my son, in a way, and so, and so, we came. Il faut la grande son moi. Bikabé à l'école. À 9 millions. Il va la te les envoie, te les moum, et te rebou, à Kourou. Bobo Fe, et Bobo Oula Bana. Aslan, ou Miss Aslan. Na, avant d'y aller, on conclut, on tend, on joue. N'y a pas de vie, quand tu vas bana. Ha 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 ha. N'y a pas de vie, tu es en train de faire ça. Mon malheur va bingongong ni si ami ben menevé ni mi li mo tuete ye me ko no da manja no mndim ambezé na mo gbé. Il
Et donc, pour ce soir,
Matela médical, il dit qu'il y a un ya à Kounia. Comment vous l'avez dit? En vous l'avez dit, et ne faites pas mini consulateur en été. Machine à laver en été. Série marmite en été. En état, gazinière, n'y a pas été. En voilà, mais t'as dit. Et bien, on va pas cabrer en yakous. Et puis, vous voyez, il est bien temps que l'on entend. Donc, ma grabale, là, va, matelas médical était, mini congélateur était, machine à laver était, gazinière, n'y a pas été. Machine à laver. Non, moi, non. Et puis en tête. Le mot mini congélateur à ce qui t'a là. En un volant à feu. Termina. Et de mini consulter mon chien à l'envers à se quitter. Série de marmites n'y a pas là à se quitter. Amour, série de marmites et il a. I'm a little bit angry, Edda. La, be with it. This, 20, 30, 40, 50. Mini congélateur. Et hey, Yanni. Allô. Allô. Yes. Bon père. 40. Et vous m'avez 50. Et vous m'avez dit. Ah voilà, non, il y a des tiens, je vais te dire bien. Famille Tena. Il y a des qui va faire, il y a des qui va faire. Assez vous montrez mes de bienvenue le fana au thé dès que maman voilà voilà votre maman malana on a coupé l'ambre voilà vous êtes là moto ou bien voilà vous êtes là un tamon d'argent net
Je suis un homme. 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 Mais ici, Avalomban, il veut se boire.
Umbariti wai mazuna abatat anajien mke ya alu. Umbariti wai mazuna abata zaponi. Siki nyebe anibiwe tina na. Edang ana mama ben. Ami ungu mama ben mte mna ya. Ngo mana yebe na ak. Menye bemanda maka o ngwan ngamana zwana papa mafayam meta ma yen mbumfu angezu zuna an bobo abinidi mille fois amingu e yont ma yetu enyi yabi kabi maka o damu to biti bibi wala pierre jam kreji Ida, learn among them. Have you good? Yeah, we will have a bed. No, madame, in the way. We give up to me again. Assis là, 20. Mais tu vas prendre ça demain. Ah, il y a des cachemons, bravo. Hein? Moi, je...